J'ai reçu à peu près entre 370 et 400 chansons. Et quand j'ai écouté N'oubliez pas, à la minute où j'ai écouté, la première minute, j'ai dit c'est le titre de l'Eurovision. J'avais une petite appréhension parce qu'au départ, je n'étais pas partie du tout pour trouver un titre comme ça. Je voulais un titre pop avec une chorégraphie derrière, une nana un peu branchée ou un groupe. Et tout à coup, en écoutant ce titre, ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'était au mois de novembre. On était en plein dans les célébrations de la Grande Guerre sur France 2 avec des documentaires absolument... tragique et difficile, et quand j'ai écouté ce titre, je me suis dit cette chanson me fait penser à la Grande Guerre. Cette chanson, elle parle au monde entier, et je savais dans ma tête que c'était ma chanson préférée. Je trouvais le titre très fort et la voix absolument incroyable. J'entendais juste, parce que c'est un petit peu mon métier, que ça chantait vraiment. Et j'avais dit au départ, au mois de juillet, quand j'ai commencé à caster les artistes, à demander aux auteurs-compositeurs de m'écrire des titres, j'avais dit je cherche une chanson forte et une voix puissante. Et j'ai tout ça avec ce titre. Il y a quatre voix en France, il y a Chimène Badi, Morane, Amel Bent, Lisa Angel. Donc elle fait partie de ces grandes voix françaises et je vois pas pourquoi elle n'aurait pas sa chance à l'Eurovision. La scénographie de la chanson, je l'ai exactement depuis le premier jour où j'ai entendu le titre. Maintenant, il faut savoir que sur l'Eurovision, on est obligé d'être 6 maximum sur scène. Donc ça réduit un peu les champs de possibilités d'avoir une scénographie très particulière. Donc ma scénographie... je ne peux pas vous dire, mais ce sera plus en images que sur scène. Je ne vous dirai rien jusqu'au 23 mai.